bonjour, il y a quelque temps, donc j'ai reçu, je recherche la feuille, un produit donc à tester donc de la marque SEM, donc de la marque Garnier et de l'entreprise SEM Pléo. Et donc je voulais vous en parler vite fait, vous donner votre avis. Donc je parle donc du masque Garnier Ultra Doux Yaourt Recette Saine et Gourmande au lait d'amande. Au lait d'amande, donc c'est un soin cheveux. Voilà, donc aux extraits naturels, donc il ressemble à ceci. Donc je l'ai déjà testé bien évidemment. Bon là ça se voit pas parce que j'ai une crinière pas possible. Honnêtement, je ne sais même pas quoi faire de ces cheveux. Bon après l'avantage c'est qu'ils poussent toujours parce qu'il y a un an je les avais là. Donc on va dire qu'ils ont pas mal poussé quand même. C'est plutôt bien, donc les couper c'est pas mon point de vue. Donc je vous montre juste l'intérieur. Ils sont juste extrêmement bons. Je l'utilise une fois par semaine. Donc, parce que j'en suis conquise, donc je vais le garder et je vais continuer à m'en servir. Mais bon, vous pouvez le trouver, je pense, le Leclerc, Carrefour et surtout c'est discount. Donc je voulais mon avis et surtout si ce qu'ils proposaient pour moi a fonctionné. En tout cas, l'odeur, j'adore. Le packaging, j'adore. Et surtout, il démêle mes cheveux. Bon, là aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé hier, non, avant-hier. Hier ou avant-hier? Avant-hier. J'utilise soit tous les lundis, soit tous les mercredis. Tout dépend comment ça tombe, mais voilà. Et je l'adore. Il démêle mes cheveux. Et pourtant, j'ai des shampoings démêlants et ça ne fonctionne pas. Bon, alors ce soin en 5 minutes, c'est parfait. Bon, là, mes cheveux sont ça, j'adore. Hein. Donc moi j'en suis conquise bien évidemment. Donc je vous mettrai le lien de Sempleo où je teste beaucoup de produits. J'en ai déjà testé énormément et je continuerai d'en tester bien évidemment. Et vous continuerez de voir des vidéos, ça c'est sûr. Donc il existe aussi le shampoing hydratant et l'après-shampoing. Mais moi en tout cas, et la douche soin base lavande d'origine végétale. En même temps, j'ai le petit livre, comme ça, je ne me plume pas. Donc, il faut l'appliquer que sur les longueurs, mais moi, je fais tout le machin. Toute la tête, de toute manière. Forcément, parce que moi, j'ai les cheveux très emmêlés. Donc, voilà, après que je partage mon expression, donc honnête. Oui, je vais gratuit, mais si j'aime pas le produit, je le dis tout de suite. Là, le produit a été sélectionné, suivant mes critères. Et donc là, à l'heure actuelle, j'ai les cheveux très emmêlés, j'ai les cheveux... Voilà, ça se voit comme du foin, hein, c'est la cata. Et là, mes cheveux reprennent vie tout doucement. Donc j'ai pas Twitter, donc j'ai pas pu mettre de photos Twitter. Mais je mettrai une ultérieurement, si un jour j'ai Twitter. Et donc voilà, là, la dernière étape, c'est mon avis sur Sempleo. Donc je mettrai, si t'y a pas de soucis, la vidéo sortira la semaine prochaine. Mais voilà, donc j'en suis conquise de ce produit. En tout cas, il hydrate mes cheveux, il les démêle. J'ai l'impression que mes cheveux sont moins lourds quand je l'utilise, c'est-à-dire moins d'avoir moins de masse, alors que pourtant j'en ai pas mal. Hein. Là, c'est vrai que la couleur, normalement, je suis... Normalement, je suis censée avoir un tie and dye. Comment vous dire que moi-même, je ne le vois pas. Et normalement, je suis censée avoir les cheveux acajou, donc limite rouge. Et là, comment vous dire que je ne sais même pas comment je suis arrivée à cette couleur-là. Ça m'est jamais arrivé. Donc là, il y a 2 ans, j'avais la couleur rouge. Et il y a 2 ans, j'ai fini les cheveux roses. Et là, je finis blonde. J'ai cherché l'erreur. Capillairement, c'est la cata. Mais sinon, ma base, c'est châtain foncé, châtain clair. Mais voilà. Donc là, capillairement, c'est la catastrophe. Il faudra vraiment que j'aille chez le coiffeur ou que je fasse un truc. Parce que ça, c'est mes cheveux les plus petits, normalement, qui sont censés arriver là. Et là, c'est... Ouais, non, c'est la cata. Faut vraiment que je fasse quelque chose à cette crinière de poney. Oui, de poney, cheval, âne, ce que vous voulez, de toute façon c'est foutu. Donc voilà, donc moi en tout cas, donc c'est du lait bio, d'amande bio, peut-être ça aussi qui m'a convaincu, donc c'est la sève d'agave. Mais je pense que vous le trouverez dans tous les magasins. Hein. Donc je vous remonte, c'est nouveau. Si vous le souhaitez, mais évidemment comme ça vous aurez à quoi ça ressemble. Et en tout cas, moi, je vous le conseille. Parce que ça, moi, genre, c'est entre 3 et 5 minutes. Moi, c'est 5 minutes. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Parce que je pense que des tests produits, vous allez en voir de plus en plus souvent. Parce que j'en teste énormément. Là, c'est ma dernière campagne. Il va falloir que je repostule. Mais je teste un peu tout, quoi. Nourriture, alimentation, divers, jouets. Tout ce qui m'intéresse, en fait.
Donc, et puis des fois je reçois des campagnes secrètes, donc je n'en parle pas avant, voilà, mais je suis ravie, j'adore tester des produits. J'adore. Je fais ça gratuitement, je ne reçois aucune rémunération, rien du tout. Au contraire, je garde les produits, moi ça me va. J'ai reçu des fonds de teint, alors je ne mettais jamais de fonds de teint. Là je reçois des soins, j'en fais, mais très rarement. Là maintenant j'essaie de reprendre une petite routine pour sauver cette catastrophe. Il y a du boulot. Mais c'est vrai que l'ultra doux, en shampoing, j'en ai plein. Et je m'en servais. Donc j'ai l'érable, douceur, sel d'érable. Et pour les cheveux gras, le vert, à l'avocat ou je sais plus quoi. Là. Donc voilà. Mais j'adore la marque en tout cas. Mais du moins, c'est la seule marque qui ne me fait pas les cheveux gras. Et qui du moins m'assèche les racines. Et donc du coup, mes cheveux dure plus longtemps, avant je les lavais tous les jours, maintenant je les lave tous les deux jours. Je pense qu'à cette moment-là, je peux me laver les cheveux tous les trois jours. Bon après c'est vrai que quand on est en plein été, il fait 40 degrés, les cheveux je les lave tous les jours. Moi aussi je me lave tous les jours, vous inquiétez pas, hein. Je suis propre comme vous parle. Je suis pas quelqu'un de crâne non plus. Donc voilà, donc je vous laisse la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, elle dure pas très longtemps, mais en tout cas, moi ça me plaît de faire ça. Donc abonnez-vous, lien en barre d'infos, et surtout, partagez la vidéo et faites toujours, faites péter le nombre de vues, s'il vous plaît. Bisous, bisous.